Nous nous sommes mandatés par notre peuple. Et la voix indiquée par le peuple, c'est ça que nous allons prendre. Et l'ambassadeur qui ne fait pas, la porte est ouverte. Il faut que la transition s'arrête parce qu'on est dans des mauvaises voies. On ne doit pas pouvoir poursuivre. C'est parce que les intérêts, ils estiment que les intérêts sont brouillés. On ne veut pas. On dit à IB, il faut chasser Bassamman. On dit à IB qu'il n'est pas à ta place. On dit à IB que tel élément n'est pas à sa place, qu'il faut les changer. Parce qu'on estime que les Bassamman sont venus avec des graines de sable pour mettre dans le couscous. Moi, je n'ai pas amené des graines de sable. J'amène des bains de sable. Ma femme monopolisait la parole. D'autant que moi aussi, je suis pressé pour écouter le professeur. Mais je vous dis, je vous le répète, ceux qui s'asseyent, ils envoient des messages. Moi, j'ai mis mon numéro sur la toile. N'importe quel poutrevé qui veut, il appelle, il envoie un message. Sauf les Bissas et les Yatsé, qui me levaient à deux. C'est pour dire que ceux qui s'asseyent partout et qui appellent, qui envoient des messages, pour dire non, il faut sécuriser le président. Il faut faire ceci, cela autour du président parce qu'il est en danger. Il n'y a pas de meilleure sécurisation d'un président que la mobilisation d'un peuple terrible. La mobilisation d'un peuple. Et nous avons dit pour terminer par là, aux gouverneurs, et comment dirais-je, aux ambassadeurs qui représentent l'Union africaine, qui représentent les États-Unis, qui représentent les autres pays. On ne leur a dit en face. Ce n'est pas à vous de venir nous dire ce que nous devrions faire. Nous nous sommes mandatés par notre peuple. Et la voix indiquée par le peuple, c'est ça que nous allons prendre. Et l'ambassadeur qui ne veut pas, la porte est ouverte. Et nous allons incessamment, d'ici là, aller encore au niveau international. Parce que quand on parle au continent, on croit que c'est parce qu'on est assis dans notre propre quartier qu'on parle. Nous allons porter la voix du président du pays en son nom. On va aller dans leur propre terroir, aux États-Unis, en Europe. On va le leur dire face à face. On va le leur dire. Et justement, on dit, oui, bon, si tu parles comme ça, ouais, on va t'assassiner. Si tu parles comme ça, l'avion va prendre feu. Si tu parles... Mais justement, c'est parce que vous êtes déconnectés des réalités de nos pays. Nous, on n'est pas déconnectés. Je dis, nous, on va agir. Même la Cour pénale internationale, où insidieusement on veut créer des éléments pour pouvoir nous amener, nous on attend ça de pied ferme. Vous allez savoir qu'il y a un bout de la vie qui est venu vous répondre. Vous savez, vous vous assaillez.